salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est David Lafarge Pokémon et aujourd'hui on est avec Mizulu, comment ça va bien? Eh, salut, coucou. On l'a bossé cette intro de merde. Bon, alors, salut David, j'espère que tu vas très très bien. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir un booster, juste pour voir un petit peu quelle gueule ça a. Bon, si vous ne connaissez pas, si vous voulez ouvrir des boosters, vous allez voir David Lafarge, il en ouvre des milliers. Il en a une chier. Je sais pas. 1, 2, 3, 4... 5. En fait, on vient de regarder une vidéo de David 7, Lafarge 8, pour voir 9, comment il faisait 10, ses intros pour, 11, pour 12, parodier. 13, 14, 15, 16 et 17. 18. Et 18. En fait, on vient de regarder une vidéo de David Lafarge parce que on voulait faire une petite intro rigolote comme ça. Et putain. Mec, il est vide. Je rigole. Mais non, t'es con. Et on s'en fout, moi je m'en fous. Mais, et en fait, on regarde une vidéo. Et à un moment, il fait « Alors, on va ouvrir 100 boosters. » Et il compte 1, 2, 3. Je fais « Non, il est sérieux. » Il va pas les compter. Je te crois qu'il y en a 100. T'es sérieux? Tu vas quand même pas les compter, bordel de merde. Alors, attends. Attends. Qu'est-ce que tu fais, mec? T'ores pas les cartes comme ça? Je vais t'enculer. Mec, c'est pour savoir s'il y a des rares ou pas. Mais c'est de la merde. On faisait ça à Yu-Gi-Oh, mec. Mais c'est des conneries. Alors, moi, je sais pas le faire, du coup. Mais tu sais qu'à l'époque, alors à Yu-Gi-Oh, il y avait 5, 6 ou 7 cartes, je sais plus, dans les boosters. Et en fait, si t'as une carte brillante, genre ultra rare, super rare et tout, elle est beaucoup plus rigide, tu vois. Oui, mais là, c'est peut-être pas le cas dans Pokémon. Je me rappelle, t'avais des mecs qui à chaque fois gagnaient les tournois et qui, du coup, avaient accès... genre, je sais pas, quand tu gagnes le tournoi, t'avais 10 paquets, 20 paquets, etc. Ah, ils faisaient ça. Eux, ils avaient les 5 displays avec tous les trucs et ils étaient là. Oh, il y a une rare, là. Ouais, oh, il doit avoir une super ou un truc... Il y a une rare. Et au final, le mec se trompait. Ça arrivait qu'il se trompait, mais il y avait un bon pourcentage. Et ça arrive que le mec fasse « Non, il n'y a rien ». Il la jette, c'est en mode « Bas les couilles ». Non, il la jette pas, il la jette pas, mais... Ok, d'accord, voilà, il joue à ça. Bon, je te laisse en choisir un, on en ouvre un vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a X et Y offensive. Mais c'est vapeur. Que des offensives vapeur. C'est que des offensives. Bah oui. Ah, d'accord. C'est une nouvelle collection, ils vont pas faire la pub pour le vieux truc. Ah oui. C'est normal, mais non, c'est parce que ils sont pas fous chasse-modé. Je ne savais pas, mais en fait, les façades de paquets, les illustrations de paquets, pardon, ne sont pas les mêmes, tu vois. Et c'est pour ça, moi, je pensais qu'il y avait différentes... C'est pour le style, frère. Ouais, c'est pour le style. Non, c'est pas mal. Pour le coup, c'est pas mal. Allez, on en ouvre un pif. Parce que Yu-Gi-Oh, c'est toujours la... C'est toujours le, tu veux ouvrir laquelle? Je sais pas, celui-là. Allez, celui-là, c'est parti. Vas-y, ouvre-le. Attends. Alors, il y en aura ou pas? Bah, en fait, je sais pas. Ouais, parce que, rien, parce que là, il y a beaucoup trop de cartes. À Yu-Gi-Oh, il y avait pas beaucoup de cartes, du coup, c'était... Ah, alors là, on sent que t'as moins la technique que David. De quoi? Bah lui, non, il ouvre plus vite que toi. Hein. Lui, il a déjà ouvert 4 là. Hein. Ouais, bon, j'ai pas une chaîne ouverture de cartes quoi. Ah. Et au final, tu l'ouvres très propre. Quand même. Ah, j'ai attention. Ouvert du mauvais côté. Ah, il y a manque de professionnalisme. Hop. Voilà. Incroyable. Donc on a le petit code derrière, on le jette. Oups. Voilà. Incroyable. Là, attends, on enlève 3. 1 2 3 et je fais ça. Voilà. Incroyable. Et hop. En première carte, on a Boule de nœud. Ok, incroyable. Fais rien. Vas-y, je te les enlève. Ok. Boule de nœud. Lien spirituel. Mélancolux. Passe rouge. Yanma. Maril. Attention. Farfuret. Mélionceau, d'accord. Ah, oh, une Galopin Reverse, incroyable. Galopin Reverse, illustration dessin de 5 ans. C'est... Putain, l'illustration de merde. Non mais déjà, c'est beaucoup plus classe en mode full brillant, tu vois. Oui, c'est mais après, c'est pas la plus belle illustration de... Oh, par contre, mec, le brillant, il est insane. Regarde, ça fait des flammes. Oui, c'est classe. C'est pas mal, tu vois. Non, c'est vrai. C'est honnêtement, classe. C'est classe. Ah bah, quand par même. Contre, l'illustration un petit peu déçue, il reste encore une ou deux cartes, je sais plus. Une. Attention. On n'y voit rien. Mise au point. Attends, il fait la mise au point sur ma main. Voilà. On l'a déjà. Ah, merde. Tu l'as ah, c'est le même que toi. Mec, tu la veux ou pas? Non, mais... Et il reste encore une carte. Non. Non, ça donne. Et non. Et voilà. Non. C'est terminé. Ok, fort bien. Eh ben, écoute, voilà, on en a ouvert un. On verra les autres demain avec Jill, les amis. On en a donc 17 à ouvrir demain. Incroyable. C'est cool. C'est sympathique. Incroyable. Bon, on va ranger ça. On m'a envoyé un message pour savoir si on pouvait récupérer les codes pour jouer à Pokémon Online. On va d'abord proposer à Jill ou à Ellie, parce qu'on sait que toutes les deux... Je sais qu'elles y jouent, donc... de jouer. On va d'abord leur proposer à elles. On va voir ce qu'elles veulent en faire. Si elles n'en ont pas besoin,
On les donnera sur Twitter, etc. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème, on sent Carl. D'accord. Donc c'est tout pour Pokémon. Ça me fait rire parce que, du coup, on a regardé le truc, on vous a présenté le jeu, on ne connaissait pas Pokémon, nous on ne connaît pas du tout, tu vois. On ne juge pas le jeu, ni sa qualité. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a une box de protection. Ça, c'est sympa. Ça, c'est cool. Tu vois, ça par exemple dans les trucs de Yu-Gi-Oh! Oui. Dans les decks de Yu-Gi-Oh! C'est vrai que naturellement, j'ai remis direct dedans. Ouais. Tu vois, en mode, j'aime bien que ce soit propre. C'est cool. Non, ça fait plaisir. On avait oublié de le préciser. Effectivement. Mais ça, c'est sympa. Mais oui, il y a Théophile qui a tweeté merci Asmodée, nous avons envoyé les trucs. Et là, si Asmodée regarde, ils m'ont vu dire ouais, bon, alors je trouve que le design n'est pas super joli. Machin. Bon, voilà, ils vont plus jamais m'en envoyer. Je suis désolé. Mais en même temps, bon, voilà. Moi, je peux pas vous raconter du mytho. Quand ils envoient un truc et que je trouve que ça déboîte, je vous dis que ça déboîte. Quand ça déboîte pas, bah, ça déboîte pas. C'est pas grave. Après, il y a des milliers de joueurs de Pokémon qui vont me dire comment oses-tu dire que Pokémon ne déboîte pas. Mec, tu l'as bien déboîté. Hein. Ah, je l'ai bien déboîté. Allez, effectivement. Incroyable. Excellente blague. Allez, on passe à la suite. Vas-y, Zouzou. Attends, parce qu'il ne faut pas qu'on perde tous les trucs. Là, oui, si on perd les petits points. C'est vrai, on jette tout comme ça. Ouais. On va vous les envoyer sur Twitter. Ouais, on est en mode Balek, mais j'aime pas trop quand c'est le Dawa, donc attention. Hein, j'aime bien quand on essaie d'être un peu propre quand même. Voilà. Hop. Qu'est-ce que tu veux ? Peu importe. Attention, il y a le Pog là. Il ne faut pas qu'on perde les Pog. C'est quoi ça en fait ? C'est quoi ? Est-ce que vous pouvez nous dire sur le chat à quoi servent ces trucs pour que Mérisso puisse nous le dire ? Ah, Mérisso, c'est Raph. Mais il ne veut pas s'appeler Raph, donc on l'appelle Mérisso. Dites-lui dans le chat. On n'arrête pas de lui dire de changer son putain de Twitter. On peut faire peut-être une parenthèse. Oui, vas-y. Parlons-en, oui. Bon, Raph, Rafiki de la régie, est arrivé avec Lipsia il y a quelques semaines, quelques mois maintenant de ça. Et il s'appelait Mérisso sur Twitter. Sauf qu'il est arrivé ici, on l'a tous appelé Raph ou Rafiki. Parce qu'il s'appelle Raphaël, ça a du sens. Voilà, d'accord. Et donc, même vous, sur le chat, vous le connaissez en tant que Raph ou Rafiki. On est d'accord. Ouais. Sauf qu'il ne veut pas changer son Twitter. Et le problème avec son Twitter, c'est que... Dès qu'on fait un tweet et qu'on met @Raph, on trouve pas. Et ça ne marche pas. Et en plus, et là, le deuxième problème, on a que ça à foutre de ce souvenir qui s'appelle Mérisso. Moi, je suis là, merde, comment il s'appelle ce con déjà ? Et je trouve pas, tu vois, c'est chiant. Et en plus, c'est Mérisso plus un chiffre. Oui, Mérisso 34. Enfin, imagine, je m'appelle Zoulzoul 59. Quoi. Alors peut-être si vous avez le follow, c'est mieux, parce que du coup, il va popper plus facilement dans nos recherches en tapant Raph. Ce qui va être un peu plus connu. C'est vrai, ça peut être utile. Mais il y a un deuxième problème, c'est que sa photo de profil... On le reconnaît pas. Sur sa photo de profil, il est beau. C'est pas lui, c'est son frère jumeau. Bah non. Non, Raph. Mensonge sur la marchandise. En fait, moi, ce que je lui ai dit hier, c'est... Attends, parce que je lui explique ça, il me dit « Oui, mais moi, Mérisso, c'est mon pseudo de cœur et tout. Waouh. » Incroyable, il m'a pas dit ça du tout. Il fait « Non, mais c'est mon pseudo et tout, je suis attaché à ça. » Et je fais « Oui, mais en fait, t'es arrivé ici et les gens t'ont adopté. » Nous t'avons adoubé, on t'a nommé, mec. T'as plus le choix, t'es baisé. T'es Rafiki, t'es pas Mérisso. Oui, je regarde la caméra parce qu'il regarde le retour. Donc, c'est toi que je regarde quelque part. Voilà. Donc voilà, dites-lui sur le chat. T'as plus le choix. Dites-lui, renomme-toi en Rafiki. Attends, essaye. Ou en Star Wars. Tu t'appelles Raph. Tu t'appelles Raph. Change ton Twitter. Change ta photo de profil. Prête-moi ta femme. Incroyable. Bon alors, on y va. Hop. On est vraiment des cons, mais en même temps, c'est pour ça que vous nous regardez. C'est vrai. Alors, vas-y, ouvre-moi la suite. Fais péter. Moi, j'ai un petit concept. Excellent. Alors ça. Ah bah ça sera quoi ? Laisse-moi présenter le truc, enculé. C'est mon concept. Vas-y. Non, pas du tout. Merde, là, je me retrouve. Alors, c'est quoi ? C'est un jeu qui s'appelle Concept. Alors, on ne voit pas, voilà, on voit pas grand-chose. Et c'est un concept plutôt intéressant. Ah, c'est con, hein ? C'est bon, concept, du coup, c'est un jeu qui n'est pas sorti récemment, mais j'ai demandé à ce qu'il me l'envoie parce que je pense qu'on peut faire des émissions cool avec. D'accord. Quel est le principe de concept ? Eh ben, en fait, il n'y a pas de principe, c'est le concept. Incroyable, c'est pas vraiment un jeu de société. Le principe, c'est que c'est un jeu d'ambiance où en fait, vous allez devoir faire deviner des éléments, des choses, des idées, des formes, des objets via une grille d'éléments. C'est-à-dire que par exemple, si je veux te faire deviner Maya l'abeille, et ben par exemple, je vais te mettre attends, un petit pion. Tu me dis ça parce que t'aimes pas le miel pop. Ah
Donc par exemple, si je veux te faire deviner Maria l'abeille, je vais te mettre un pion sur animal, un pion sur jaune, noir, petit, volant, et tout ça va te faire très vite comprendre qu'on parle d'une abeille. Voilà, c'est ça le concept en fait. Alors, de base, en fait, il y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire que le principe du jeu, c'est juste de s'amuser entre amis. Eux, ils ont mis des règles dedans parce que bah, t'achètes un jeu de société, il y a une boîte et tout, t'as quand même envie qu'il y ait un système de points, etc. Mais en vrai, le principe de concept, c'est juste de faire deviner des trucs jusqu'à ce que ça ne t'amuse plus, en fait. C'est ça le principe. Il y a un truc que t'as pas dit. Et il a obtenu l'As d'or, s'il te plaît, mec, du jeu de l'année à Cannes en 2014. Mec, c'est pas dégueu. C'est la première chose que j'ai vue sur la boîte du jeu, c'est ça. Ouais. Alors normalement, ça, c'est accompagné d'un changement de plan. Peut-être que voilà. Là, normalement, t'as un régisseur qui, au lieu de décrire sur le chat. Voilà. Ouais, merci. Voilà. Regarde toutes les récompenses que ce jeu a eues. Bon, en effet, il est vieux. Tu as dit, c'est 2014. Mais mec. Bon, après, vieux et vieux, c'est relatif. Quand j'ai jeu de société à quelqu'un, il me sort Monopoly. Donc forcément, oui, là, ça, c'est très récent. On est d'accord. On est d'accord. Mais mec, t'as vu toutes les récompenses 2014. Alors, il y a quoi Alors, ça, c'est As le. Astor, jeu de l'année Cannes 2014. Ça, c'est le Spiel, ou le Spiel, je sais pas comment ils prononcent ça. C'est un prix allemand. Oui, d'accord, c'est pour ça que j'arrivais pas à le dire. C'est le Spiel. Alors, il a eu quel prix? Voilà, ça, c'est l'autre, c'est à Cannes. Le Spiel, c'est l'Astor. Puis après, en gros, c'est plein de prix qui sont décernés par des sites internet, ou par des boutiques, ou par des trucs comme ça. Voilà. D'accord. 2014. Par exemple, le Golden Grand Geek, prix du jouet. C'est Board Game Geek, je ne sais plus comment ça se. Voilà, c'est d'accord. L'équivalent du Trick Track anglais, quoi. D'accord. Grand prix du jouet. D'ailleurs, il n'a pas eu le Trick Track d'or. Il n'y a pas eu le Trick Track. Non, Trick Track s'en bat les couilles. D'accord. Voilà, c'est un jeu Repoproduction. Repoproduction qui fait en général de très très bons jeux, puisque chez Repoprod, je crois qu'il y a Seven Wonders Duel. Ah oui, et pas mal celui-là. Voilà, je suis pas sûr, mais okay. À vérifier. On se l'ouvre vite fait, on regarde à quoi ça ressemble. C'est marqué plus de 10 prix vas-y. Internationaux. Attends. Mec, comme ça, regarde. Voilà. Ce qui était, t'étais en souffrance, frère. T'étais en souffrance c'était totale. Il y a un rythme dans l'émission quand même. Hop. Attention, bim. Voilà, concept. Putain, mec, la incroyable. Classe! Ouais, dommage. Alors ça, c'est zéro. Mais si, parce que c'est plus dans le champ, donc on s'en fout. Putain, non, mais je t'en prie. Alors, les règles. Vous êtes prêts? Nombre de pages? 2. Ah, voilà, c'est les règles. C'est ah ça. Ouais. Les règles, c'est juste ça. Ça, c'est un atout pour moi. Ça, c'est vraiment un atout. Oui, parce que le problème de Zulu, c'est que dès que tu lui expliques des règles qui font plus de 3 lignes, il t'écoute plus. Donc, ce qui est chiant. Donc, je l'invite plus au jeu de société, parce que sinon, il casse les couilles. Ah, voilà, ça, c'est le principe. Hop. Et ça, c'est d'accord. Le dos qui doit sans doute être un récapitulatif de certaines choses. Ah bah. Vous voyez, le concept est extrêmement simple de base à expliquer. Là, on a des fiches récapitulatives qu'on donne à tous les joueurs pour que on n'ait pas besoin constamment de se redemander « Attends, ça c'est quoi ?»« Cette image-là, elle veut dire quoi ?» etc. Ça, c'est la signification des symboles. Mm-hmm. Tu vois je sais pas, tiens, on va montrer le truc. Regardez. Hop. Voilà, signification des symboles. C'est assez clair, assez évident. Voilà, je vous laisse regarder, je vous laisse lire. Voilà, science, mathématiques, chimie, etc. Joyeux, positif, triste, négatif, etc. Bon, voilà. Et de l'autre côté, same shit, mais avec des formes, des couleurs, etc. D'accord ? Same shit. Voilà, vous voyez l'idée ? Merde ou feuille ? Ha ! Je sais pas, je te laisse deviner comme tu veux. Évidemment, de la pub pour... Quoi ? Je ne savais pas. Time's up existe sur téléphone. C'est Alors, je mal. Ne savais pas, mais c'est une putain de bonne nouvelle. Je l'ai téléchargé très très vite. C'est excellent ça. Putain, je savais pas. Mec, je savais pas. Comme quoi, ils ont raison de faire comme la quoi, ils ont raison de mettre des pubs. Voilà, parce que si même moi je savais pas, c'est quand même terrible. Bon, évidemment, de la pub pour les autres jeux. Time's Up, Cash Gun, Seven Wonders Duel. Donc, c'est bien chez Repoproduction. J'avais raison. Ici, un petit système avec des petits pions de. Voilà, des petits cartons en forme d'ampoule. Que je ne sais pas exactement à quoi ils servent, parce que je n'ai pas encore lu les règles, évidemment. D'accord. Le plateau de jeu. Alors, le plateau de jeu, il est plutôt sympa. J'explique quand même pour ceux qui viennent d'arriver. On ouvre juste le colis on de connaît tous pas les jeux jeu. De société. C'est vraiment... C'est un opening. Oui, voilà, c'est un opening. On ne connaît pas les jeux, c'est un opening. C'est pas, on explique les règles et tout. Voilà. On le fera plus tard. Le plateau de jeu, du coup, sur lequel vous allez faire... Oh non, laisse en plateau large. Voilà. Le plateau de jeu sur lequel en fait vous allez faire jouer vos amis et sur lequel vous allez placer des pions pour faire deviner des idées aux différents joueurs.
Voilà. Okay. Par exemple, si j'essaie de t'en faire deviner un, imaginons au hasard, voilà, je vais poser le pion. Alors voilà, je prends le jeu de cartes, je l'ouvre pas. Alors, si je te dis, si je mets un pion sur... Attends. Ok. Ok. Alors, je vais mettre le truc comme ça vous allez pouvoir voir. On va voir si ça fonctionne. Ok. Alors, faut que je regarde un petit peu comment ça fonctionne. Si je te dis... ça. Ok. Ouais. Cette icône-là. D'accord. Toute l'icône, hein. Tu me montres pas... Ouais, toute l'icône. D'accord. Si je te dis... ça. Ouais. Ok. Si je te dis... ça. D'accord. Et si je te dis... Je cherche. Tu peux en montrer combien ? Et si je te dis... Attends, je cherche un dernier truc. Ça. Ok. Donc, je récapitule pour ceux qui n'ont peut-être pas vu. Il m'a montré une case avec un oiseau, un éléphant, une coccinelle et une... méduse. Et une méduse, hein, ou un poulpe. Ensuite, il m'a montré la couleur rouge. Mm-hmm. Il m'a montré la goutte d'eau. Et il m'a montré un élément pour dire petit, dessous ou... C'est comme ça que je l'ai interprété, en tout cas. Donc, ça veut dire que j'ai essayé de faire une association de ces idées. Oui, tu fais une association de toutes ces idées pour trouver le mot. Alors, ce serait peut-être un animal qui serait de la couleur rouge. Un poisson rouge. Ah. Alors, il est petit et c'est dans l'eau. Du coup, tu as dit un poisson rouge, donc il faut que j'essaie de trouver un autre élément. D'accord, tu dois me guider. Qui va t'aider à trouver... Et par exemple, je dis de la merde. Exemple, c'est un requin. Tu vas me montrer peut-être le fusil pour dire c'est un méchant. Toi. Alors, si je te mets ça. Alors, un rocher. Alors, je dois partir du poisson rouge et l'assimiler au rocher ou je dois... Alors, ça peut être un rocher ou voilà. Tu vois les différentes significations du rocher, c'est roche, minéral ou dur. Ah, d'accord, ok. Là, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est dur. Donc, c'est un animal rouge, petit, qui vit dans l'eau, puisque je t'ai montré de l'eau, et qui est dur. La crevette. Non, pas dur, la crevette. La crevette, si je fais ça, je l'écrase. Donc, non, c'est pas dur. En plus, la crevette, c'est pas dur. T'as qui est rouge ? Eh oui. Un crabe. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Ok, d'accord. C'est assez compliqué, mais au final, c'est intéressant. C'est pas si simple. C'est très intéressant. Bon, après, là, on a joué vite fait. Oui. Mais c'était pour te montrer le concept du truc. Le concept. Parce que ça s'appelle... Concept. Concept. D'accord. Voilà. C'est intéressant. J'aime bien tous ces jeux c'est cool. D'association d'idées. Oui. On avait joué notamment un jeu qui s'appelait... je sais plus comment ça s'appelait. Tu sais, avec le spectre, le fantôme, là. Oui, Mysterium. Mysterium. Et ça se jouait aussi avec des associations. Alors, d'idées, ça faudrait que je vous y fasse jouer un jour. Je suis persuadé qu'on peut faire une excellente émission avec Mysterium. Ouais. Persuadé. Mais il faut, c'est pareil, il faut qu'on prenne le temps de setup ça. Faut que j'arrive à convaincre les autres que je peux leur faire du jeu de société sans qu'on se fasse chier. Donc, c'est du sport parce qu'ils sont pas convaincus. Hein, je peux te une dire. Petite gamelle. Ouais. Une petite gamelle que tu peux mettre sur la table. C'est juste pour ranger les petits pions. Mais c'est parfait. Ce qui est plutôt pratique. Alors, il y a un truc un petit peu plus complexe en fait dans concept, c'est que t'as différents pions pour exprimer différentes idées. C'est-à-dire que par exemple, tu as des pions de différentes formes et il y a certains pions qui vont t'exprimer le fait que cette idée est l'idée principale. Genre que c'est une idée qui est importante là où une autre idée n'est qu'un petit élément pour t'aiguiller. Tu vois, et en fonction de l'importance de tes idées, comme ça tu vas guider les gens. Bon voilà, c'est plutôt sympa, ça s'appelle Concept, c'est disponible dans toutes les bonnes boutiques et c'est un jeu Asmodée Repos Production. Enfin, c'est un jeu Repos Production, mais c'est distribué par Asmodée. Merci à eux et j'espère faire très vite une émission sur ce jeu. Alors, enchaîne. Au pif. Ah, Small World. Oh, ça a l'air. Alors ça, c'est lourd déjà. Oui, c'est très lourd. Ça coûte des thunes parce que il y a des figurines dedans. Ça prend un petit peu de temps à jouer aussi, puisque en gros Small World. Alors je vais essayer de vous le décrire très très rapidement. C'est Risk en mieux. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que Risk, c'est chiant.
C'est trop simple pour toi? Trop simpliste? Bon, c'est pas ça, c'est que risque, c'est pas très amusant. Ça se joue beaucoup à la chance, parce qu'il y a énormément de lancers de dés. Tu peux avoir une armée de bâtards, si tu rates tes lancers de dés, tu te fais rouler dessus. C'est nul à chier. Tiens. Comment? Il n'y a pas de figurine dans Small World. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de figurine. Pourtant, c'est lourd de ouf. Oh. Oh, c'est lourd de ouf. Mais en plus, j'ai déjà joué à Small World. J'ai tu veux joué revenir sur le plateau, vas-y, reviens sur le plateau. Mais attends. Mais il arrive comme un cowboy. Il arrive comme un cowboy. Mais non, il n'y a pas de figurine, espèce de bouffon. C'est vrai qu'il n'y a pas de figurine. Mais pourtant, il est lourd de ouf. On va dire que je confonds. C'est ça, on va dire que je confonds. C'est vrai. C'est vrai, il y a fond. Dans Confond, il y a fond. C'est vrai. On va l'ouvrir vite fait, on va vous montrer ce qu'il y a dedans, comme ça, on va voir qu'il n'y a pas de figurine. Alors, du coup, c'est bien, parce que s'il n'y a pas de figurine, c'est-à-dire que c'est moins cher. Oui. Small World, ça doit coûter quoi? Ça de la merde. Oui, c'est un peu loupé. Je me suis un peu loupé, il n'y a pas de figurine, effectivement. Donc, vous allez être extrêmement déçu, c'est pas de peinture pour vous. Voilà, vous allez vous calmer. Les règles sont pas très longues. Ça fait plaisir. D'accord. Hein, voilà, ça se tient en. C'est quoi? C'est 10 pages maximum. C'est écrit gros, il y a des illustrations. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas passer 1000 ans à comprendre comment ça fonctionne. Ah. J'ai déjà joué au jeu. J'ai un truc. Donc, déjà, je vais passer un peu moins pour un bolos. Il y a un truc intéressant. Non, c'est ok. Normalement, j'y ai déjà joué, même si j'ai des souvenirs qui sont peut-être un peu floutés. Small World. Et là, vous voyez, il y a plein d'extensions. Donc, vous pouvez évidemment rajouter des peuples à votre jeu. Il y a un truc intéressant ici. Oui. Un récapitulatif de règles pour chaque joueur. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est cool. Ils font ça dans beaucoup de jeux maintenant, quand vous jouez à Five Tribes ou à Seven Wonders ou quoi, t'as ce genre de choses. Chaque joueur peut en avoir, une petite règle simplifiée, légendée et tout. Ça, c'est vraiment cool. Ça te permet de pas. Bon, merde, il est où le truc de règle? Là-bas, hop, passe-le. Ah, moi aussi, j'ai envie de voir. Ça permet de gagner du temps. Alors, je vais essayer de pas dire trop de conneries. Je viens de faire tomber un pion, c'est terrible. Je vais essayer de pas dire trop de conneries. Bon, déjà, il faut détacher toutes les plaquettes. Il y en a un paquet. Hein. C'est pour ça que c'est lourd. Ah ouais. Il y a beaucoup de pions cartonnés, en fait. Ah ouais. Et là, il y a encore du matos. En fait, je te laisse. Le truc le plus important à expliquer globalement pour comprendre le jeu, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez devoir choisir une race. Donc vous avez des Amazones, les nains, les elfes, les mi-portions, les géants, les zombies, les humains, les orques, les hommes rats, les tritons, les sorciers, les squelettes, les trolls, les mages. Il y a des tonnes de trucs. Alors je vais pas dire de conneries parce que je crois qu'il y en a certains, c'est juste des ennemis ou enfin bref, je ne sais plus, mais bref, tu peux choisir donc un personnage et tu le mixes avec un pouvoir. C'est-à-dire que sur cette plaquette là vous avez des pouvoirs, d'accord? Donc ça veut dire que dans ton mix tu peux faire des géants volants ou des zombies de la forêt ou des Amazones scouts ou des orques berserkers, tu vois, et tu peux faire des mélanges comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des mélanges que tu vas faire, tu vas avoir des avantages et des inconvénients que tu vas devoir placer du coup tes pions, parce que tu vas disposer de différentes troupes et tu vas devoir placer tes troupes, donc un peu à la manière de risque du coup, tu vas devoir placer tes troupes sur le plateau de jeu qui est évolutif, puisque vous voyez, là on en a un et puis de l'autre côté je sais pas si c'est le même, c'est peut-être le même. J'en ai aucune idée. Je vois pas. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas exactement le même. Donc voilà, vous avez pas le même pion d'un côté, le même plateau d'un côté ou de l'autre. Et si je dis pas de conneries, si vous êtes vraiment nombreux, vous avez second plateau, une extension de plateau que vous pouvez poser à côté du premier et qui vous permet de jouer à plus nombreux. À moins que ce soit la version pour deux joueurs. Voilà, je regarderai ça dans les règles. Je ne sais plus. Et donc, le principe, c'est que, comme vous le voyez en fait sur le plateau, je vais vous voir le petit, comme ça vous allez peut-être mieux comprendre. Il y a des zones qui sont largement délimitées. Et en fait, zoom, attention. Vous voyez ici, il y a des éléments. Tu vois. Donc, en gros, ça va t'indiquer quel type de ressources tu vas pouvoir trouver sur chaque case. Et en fonction de ça, eh bien, tu vas pouvoir en fait accomplir des objectifs qui vont te permettre d'obtenir plus de troupes, plus de puissance pour terrasser tes adversaires. Le but étant évidemment de rouler sur les autres. C'est un jeu PVP. C'est pas, tu joues pas contre le jeu, tu joues contre les autres joueurs. Voilà. D'accord. J'ai joué il y a longtemps. J'ai joué quand je suis allé voir un tournoi de Dota 2 en Allemagne. Et y a un mec qui avait emmené le jeu dans sa valise pour en faire une à l'hôtel. Et du coup, on a accompagné ce petit groupe d'amis, on a fait une partie. C'était fort sympa, mais il était tard, j'étais claqué, je dormais à moitié sur le jeu parce qu'il était 2h du matin, donc c'était un petit peu compliqué. La boîte est super cool parce que thermoformée,
Ça veut dire que tu ne galères pas avec le rangement. Tous les pions ont une place dans la boîte et du coup tu ne perds aucun élément. Ça, plus, c'est plutôt les cool. Rangements et tout. Voilà, ça c'est rangement c'est pour les différentes races et les différents pouvoirs. Parce que c'est vrai, c'est chiant quand t'as plein de pièces et que toute la boîte, tout est partout. C'est ça. Effectivement, j'aime bien. En fait, Théophile doit être en train de regarder l'émission. Et dès que je dis une connerie, il est là. Il veut. Non, mais alors pas du tout. Il y a pas de figurines, mais non, c'est pas vrai. Dis pas ça. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa. C'est un jeu que j'avais pas du coup. Et c'est pareil. Je pense qu'on peut en faire un truc sympa. En fait, je réfléchis actuellement à un format d'émission où on pourrait faire tous les jeux de société. Je pense que tous les jeux de société peuvent se faire en émission. Ce qui est important, c'est la manière de le faire. C'est-à-dire que peut-être qu'il va falloir modifier les règles, peut-être qu'il va falloir modifier la manière d'y jouer, faire quelque chose qui n'est pas exactement comme c'est prévu à la base. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de le faire de manière sympa. Le jeu Le Seigneur des Anneaux, peut-être en mode. Voilà, CDR, Le Seigneur des Anneaux, de base, c'est juste des cartes, tu tires les cartes en face, tu résous les. Je suis sûr qu'il y a moyen de le transformer, d'en faire quelque chose qui va se rapprocher plus dans le JDR, qui va faire qu'on va délirer un petit peu, qu'on va peut-être s'éloigner parfois un petit peu des règles de base. D'accord. Mais qui va permettre, nous, de prendre du fun, vous, de vous donner envie de regarder l'émission, de vous amuser, de jouer et peut-être même d'acheter le jeu. Donc voilà, je pense que tout est faisable, c'est qu'une question de manière de le faire. Donc je vais essayer de faire en sorte de vous amener ce genre de jeu qui, de prime abord, si je vous disais, bon, bah, on va faire un jeu aujourd'hui sur Extra TV, on va jouer à Risk. C'est compliqué. Donc là, vous me voyez poser les petites figurines sur le terrain pour essayer de bolosser Zoulou avec trois lancers de dés. Après, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup Risk. Alors, j'ai Risk Game of Thrones à la maison, si tu veux. Ouais. Oh. C'est le même. Game of Thrones. C'est exactement la même chose, c'est juste un skin Game D'accord. of Thrones. Voilà. Et c'est très sympa. C'est très sympa, mais. Enfin, je veux dire, il est bien adapté à Game of Thrones. Mais trop de GD quoi, trop de GD. Je trouve que c'est arrivé des fois que je joue contre ma femme, je suis là, j'ai 5 troupes, elle en a 3 et elle gagne, tu vois. Je suis en mode bon, tu casses les couilles. Quoi. Oui, mais après, c'est ce qui est drôle aussi. Enfin, moi, ça me dérange pas dans un jeu de société d'avoir une part de chance qui permet d'avoir des retournements de situation. Tu vois, parce que genre au Monopoly, dès l'instant où tu commences à perdre, il y a très peu de chance. C'est l'inverse, Max. Il y a très peu de chance pour que tu retournes la situation. Au moins, dans Risk. Bon bah voilà, même quand t'es pas bien dans la partie, tu peux espérer produire quelque chose qui va faire que tu ne vas pas perdre. Et du coup ça te laisse ça il va falloir le mettre en dessous. Ça te laisse dans la partie, tu vois. Parce que Monopoly, une fois que tu te fais bolos par tout le monde, bah soit tu joues au jeu autrement ou soit tu t'arrêtes quoi. Tandis que Risk, bon bah t'as toujours un espoir, tu vois. Donc c'est ça que j'aime bien en fait. Effectivement. Merci à toi Zulu pour ce petit speech. C'était Small World, un jeu de Philippe Kennert, je sais pas. Ou Kennert. Putain, je sais pas si c'est un N ou un Y. Ça doit être un Y, je pense. Vous êtes extrêmement déçus, vous le saurez jamais. Démerdez-vous. C'est Kennert, je pense. Tu penses que c'est Kennert ? Ouais. Tu mises là-dessus ? Bah, ça ressemble beaucoup à un Y, sinon la lettrine est mal faite, donc je pense qu'ils ont pas été cons. Ça me va. Voilà. Hop. Je suis suivant. Je suis. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a encore. C'est matinal opening, les gars. Mec. C'est matinal opening, on enchaîne. Garde, on parlait de quoi ? On parlait de. On en parlait justement. On en parlait justement dans la voiture. On comparait un petit peu le stream game à Game of Thrones. Exactement. Avec les différentes maisons, les différents héros de chaque maison. Des embrouilles malgaches. Des embrouilles à l'infini. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté Game of Thrones dans notre univers. Ouais. Et justement, en parlant de Game of Thrones, la fameuse série de HBO que tout le monde connaît et que tout le monde regarde, parce que vous n'avez pas le choix si vous ne le regardez pas, vous n'avez plus de sujet de conversation le lendemain de la série. ça existe aussi dans ce petit jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Intrigue à Westeros. Mais c'est une extension, ça ? C'est pas le jeu de base, non ? C'est un jeu de cartes pour un... Ah non. C'est le jeu de base. Ça a l'air d'être le jeu de base. Putain, mec. En fait, de prime abord, ça ressemble à un loup-garou. Dans le visuel des cartes, je ne pense pas que ce soit ça. Mais ça me fait penser à ça, en tout cas. Mec, il nous manque un truc. De quoi ? Bah... Mec, apparemment, non. Hein. Apparemment, tout se joue comme ça. Donc, Ah ouais ? Ah, c'est ouf. Donc, apparemment, il faut créer une sorte de pyramide avec les cartes ou peut-être une hiérarchie, quelque chose comme ça. Attends, hop, là. Pardon, oui. Et là, il y a Théophile qui est en entrée. Hein. Mais non, vous connaissez pas le jeu, je vous expliquais. Non, c'est exact. C'est exact. Ok.
Alors là, pour le coup, les règles, c'est deux pages. Ouais. C'est deux pages. C'est très, très simple à prendre en main. On étudie en même temps, il n'y a que ça comme élément. Et regardez, là, pour le coup, eux, ils ont les droits du film. Enfin, de la série. Eux, ils ont payé, quoi. Voilà. Aquaman, il y a des trucs que je peux pas dire. J'allais dire des trucs, mais ça allait spoil. Donc là, on voit, du coup, les Targaryens et... Ok, ça a l'air assez petit quand même comme illustration, à voir. C'est un petit, mais en même temps, t'as pas besoin de beaucoup plus. Les Lannister. Mais au moins, il y a pas beaucoup de matos, ça devrait pas être très très cher. Enfin, j'espère en tout cas. Ok, et là, il y a tout le monde, et puis derrière, il y a d'autres. Voilà, d'autres clans. Et puis derrière, il y a encore d'autres clans, évidemment. Bon, écoute, pourquoi je m'attendais pas du tout à ce que ça ressemble à ça. M'attendais à un jeu de cartes plus classique comme on a vu avec les autres. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. 36 cartes, 7 cartes trône de fer qui sont un petit peu différentes. Ça va jouer 6 joueurs, j'ai l'impression. Voilà, vous voyez, il y a des cartes comme ça, des cartes trône qui je ne sais pas exactement à quoi elles servent. Et des pions de pénalité qui vont d'une valeur de 1 à 5 et qui sont représentés par ceci. OK. Voilà. Une partie dure entre 15 et 30 minutes. C'est plutôt très rapide. Ça joue de 2 à 6 joueurs. En fait, moi j'adore ces jeux où c'est très simple. C'est le jeu apéritif, quoi. Tu joues 15-30 minutes. Si jamais t'as envie, si jamais t'as kiffé, tu refais une partie derrière. Mais au moins, tu peux perdre des gens en route tous les 30 minutes, tu vois. Genre, admettons, tu commences la soirée à 6, t'en as 4 qui accrochent, bah, tu refais une partie avec les 4 et t'as pas traîné les deux boulets qui vont ralentir le jeu au bout de 20 minutes et ça va casser les couilles à tout le monde. Donc, ça, j'aime pas mal, tu vois. Non, les petites parties. De toute façon, c'est cool. En fait, moi, ce que je trouve bien globalement, c'est d'avoir des idées de jeu différentes, tu vois. Si à chaque fois que t'as une série ou un truc, tu te tapes le jeu de cartes, machin, même jeu de cartes, oui. Avec le même genre de règles, enfin, tu vois, que c'est juste un skin ouais. Game of Thrones, c'est vraiment trop dommage. Bah là, on te propose un truc, j'ai jamais vu ça. Le concept de... J'ai pas vu les règles, ouais. Mais a priori, j'ai jamais joué à ça. Donc c'est cool, tu vois. Je préfère largement découvrir un concept... que de simplement mettre un skin sur un truc que je connais déjà. Attention, hein, quand j'ai dit ça me fait penser au loup-garou, c'était juste la forme des cartes, rien de plus. Hein. Oui, on parlait pas du jeu en lui-même, etc. C'était juste une petite boîte carrée, des cartes carrées avec des illustrations au milieu, c'est tout. Mais on verra, on testera, on s'informera. On testera, on essaiera de regarder les règles, voir un petit peu comment ça fonctionne. Moi, j'essaierai de vous présenter ça en LPE un peu plus détaillé pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Ça a l'air cool. C'est fait par Edge, distribué encore une fois par Asmodée. De toute façon, c'est un carton Asmodée, donc tous les jeux là, c'est distribué par Asmodée. Et c'est plutôt cool. En fait, là, c'est pas pratique parce qu'il y a le plastique. Et oui. Donc ça se ferme mal. Qui t'empêche. Mais après, une fois que t'enlèves le plastique, je pense que c'est ok. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a autre chose. Il y en a encore beaucoup ou pas? Il y en a trois encore. Trois encore. Trois dont un tout petit. Ok. Trois dont un tout petit. Android Mainframe, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Android. Alors, Android Netrunner, c'est un jeu de cartes, un peu à la manière du jeu Star Wars qu'on vous a montré tout à l'heure. Il faut savoir qu'Android, c'est un jeu de cartes qui a été créé par le créateur de Magic. Je ne sais plus quelle caméra je regarde, c'est celle-là. Ça a été créé par le créateur de Magic. Et le créateur de Magic a dit lui-même qu'Android était le meilleur jeu de cartes qu'il ait créé. Ah ouais, mais donc quand le créateur de Magic te dit que c'est son meilleur jeu de cartes, ouais, c'est pas mal. Voilà, ça donne envie. Après, ça dépend de quel sens il l'emploie, enfin dans quel sens il parle, tu vois. Est-ce que c'est le meilleur? Pour lui, c'est le plus innovant. Le plus con. Okay. C'est le plus innovant. Avec seulement quelques cartes, tu peux faire plein de parties qui ne se ressemblent jamais. Et puis c'est asymétrique, parce que Android Netrunner, en fait, donc c'est un jeu de cartes. Ensuite, vous avez des extensions. Et le principe, c'est que vous avez une faction qui incarne les, je crois que ça s'appelle des confédérations, qui sont en fait des grosses sociétés. Voilà, c'est genre Apple, Microsoft, Google. D'accord. Alors, elles ne s'appellent pas comme ça. Hein. Ils ont créé un lore autour du jeu, mais globalement, c'est ça l'idée. Et en face, l'autre joueur joue les hackers. Évidemment, il y a plusieurs corpos qui existent. C'est des corporations. Ce n'est pas des confédérations, c'est des corporations. Il y a plusieurs corpos qui existent. En face, il y a plusieurs hackers qui existent, chacun avec leurs avantages et leurs inconvénients. Ça, c'est Android Mainframe. Ce n'est pas la même chose que le jeu de cartes dont je viens de parler. Mais c'est dans le même univers,
a priori avec le même concept de hacker versus corporation. Et c'est une version un peu plus jeu de société, avec un plateau, toujours un système de cartes, mais cette fois-ci, on va se déplacer sur un plateau. Alors, hop, allez, on va ouvrir ça, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai vu 2 à 4 joueurs sur la boîte, des parties de Tu vois, déjà de base, minutes. Normalement, le jeu de cartes, c'est un duel. Là, on peut jouer jusqu'à 4. Donc, en gros, c'est la version jeu de société, quoi. Le livre de règles, des petites frites bleues qui, j'imagine, vont incarner les liaisons qu'on va faire entre différents éléments sur le plateau de jeu. Est-ce qu'on a le plateau de jeu d'ailleurs ? Ça a l'air. Moi, je pense qu'il doit être caché en dessous de ce truc. Voilà. Oh, d'accord. Oh, c'est plastique, mec. On découvre. Ouh. C'est du plastique ? Oui, c'est plastique. Alors, attends, on va regarder ça. Attention, ça déconne zéro. Alors, la boîte est composée d'un deck de cartes, d'accord ? Juste ici. Mec, ça a l'air trop cool. De jetons en carton qu'on va pouvoir, enfin qui sont prédécoupés. Donc on a 3 plaquettes de jetons et on a les petites frites en plastique plus le plateau. Alors le plateau, moi je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. D'accord. C'est la première fois qu'on ouvre la boîte. Ah, c'est la première fois qu'on découvre. Je le rappelle, on fait un opening d'un carton de jeu société. On découvre un petit peu de quoi ça parle et on essaie de voir un petit peu ce qui peut peut-être plus vous intéresser que d'autres. Ça se met comme ceci et que celles-ci vont s'emboîter. Voilà, c'est fort logique. En c'est gros, voilà. Tu les emboîtes comme ça. Un jeu de plateau avec un plateau en. Avec un plateau, en plastique comme ça. Là, pour le coup, pareil, je m'y attendais pas. J'avais vu un petit peu les illustrations. J'avais vu un peu le concept du truc sur les différents sites. On n'est peut-être pas obligé de tous les attacher, mais voilà, le principe, c'est que du coup, tu te fais un quadrillage de 1, 2, 3, 4. D'accord. Attends, ça va se mettre comment ? Ouais, ça va se mettre comme ça, et ça va se mettre ici. Donc, par contre, il ne voit pas les. Ouais, c'est pas grave, ça fait du 6 sur 8. Ok. Voilà, c'est un quadrillage comme ça. Fois 2. En 6 sur 8. Voilà, c'est ça, mais fois 2. D'accord ? En 6 sur 8. Et le principe, c'est qu'en fait, c'est. Ah merde, il faut que j'ouvre le truc, c'est chiant, après j'en fous de partout. En gros, les petites frites là, les petites fritasses bleues, elles vont aller s'imbriquer. Ouais. Entre les différents carrés. Okay. Vous voyez, elles vont se mettre en fait. Elles vont aller se glisser ici en fait, dans les lignes. Et du coup, on va pouvoir faire évidemment des liens entre différentes zones du plateau de jeu. Alors, il faut que je lise les règles pour vous donner plus de détails. Ouais. Et avec évidemment des cartes qui vont vous permettre de faire certaines actions, etc. Je viens de comprendre. Et on a des jetons en carton ici. Ouais. Qui vont pouvoir se mettre au centre du plateau de jeu. Oui, en fait, effectivement. Pour symboliser peut-être le lien entre quoi. Et qui va faire que bah, peut-être si tu entoures une zone, ça veut dire que tu en prends possession, etc. etc. Okay, c'est pas mal. C'est... Alors évidemment, il y a 3 plaquettes, donc on ne peut pas voir tout ce qu'il y a derrière. Mais j'imagine que c'est les différents hackers et différentes corporations. Voilà. Et ça, alors là, pour le coup, le design des cartes est très sympa. Hein. On n'est pas sur Pokémon, là, attention. Hop. Montrer ça de très près. Après, c'est pas la même cible non plus. Baby. Après, c'est pas la même cible non plus, tu vois. Oui, là, on est sur un truc plus gamer. Donc là, le personnage, voilà, c'est elle. J'imagine que les autres dos de cartes sont pas les mêmes, puisque du coup, ça doit pas être le même personnage. Ça, c'est un dos de cartes, par exemple, hop, avec certainement un sort, un déplacement, quelque chose. Donc chargement. Ça, c'est vraiment classe. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais tu vois, encore une fois, c'est pas la même cible, donc c'est pas les mêmes illustrations, donc. Ça, alors ça, moi, ça me correspond, mais un milliard de fois plus. Quoi. Okay. Oui, en plus, toi, t'aimes bien tout ce qui est cubique, les formes géométriques, etc. Tu vois. Oui, c'est vrai. Ça te correspond. Ouais, je commence à te connaître. C'est vrai, je valide. Tu vois, par exemple, là, on a une carte, hop, avec un quadrillage directement et des liens. Ah, ça doit t'inciter à faire cette forme sur le plateau. Voilà, doit y avoir des choses comme ça. Écoute, je lirai les règles, ça a l'air hyper intéressant et je vous présenterai ça dès que possible. Ça a l'air grave. T'as envie là, t'es hypé là. Bah oui, parce que déjà j'aime bien le jeu Android Netrunner. Et en plus, là il te le dérive dans une version plateau où tu peux jouer à plus que 2 joueurs. D'accord. Moi je suis chaud. T'as une estimation du prix ou pas du tout ? Écoute, tu sais quoi, le mieux c'est qu'on regarde. Parce que j'ai pas envie de dire des conneries. J'ai pas envie de vous vendre un truc qui est pas vrai. Donc voilà, pendant que t'es en train de ranger, je vais vous donner le tarif. Alors c'est Android Mainframe. Et ça coûte, alors Android Mainframe, voilà, Android Mainframe et ça coûte
Attends, parce que oui, il faut que je trouve le vrai truc. Parce que là, je trouve des avis. Oui, oui. Mais si je peux pas l'acheter, vraiment la boutique, ça m'aide pas beaucoup. Ouais, tu vois là, par exemple. Alors. Là, je peux pas l'acheter. C'est plutôt pas mal ces illustres. Amazon, c'est bon. Ah. Ça devrait être ok. 30 balles. 30 balles. Ouais. Ok. C'est en tout cas, $27. Sur Amazon, c'est $27, donc ça doit coûter 30 balles. C'est pas très cher. Ok. Et non pas 25. Ah ben non, mec. Non, je suis con. La conversion euro-dollar, c'est 1 dollar égal 1 euro. Pourquoi ? Parce qu'il y a les taxes en Europe et du coup, c'est pas du tout la même chose. Il faut pas oublier que le prix américain, c'est sans les taxes. Hop, on va ranger tout ça dans la boîte. C'est pour ça aussi que tout a l'air moins cher. C'est intéressant la manière dont ils ont pensé cette boîte. Non, je trouve ça pas con du tout. Attends, il y a un petit sachet pour pas les perdre. À la limite, ce que je te propose, c'est que je vais ranger ça et tu peux en sortir un autre, comme ça en avance, parce qu'il nous reste encore 10 minutes d'émission. Donc, ah ouais ? Ne perdons pas de temps, mon bon Zoulou. D'accord. Ouais, il reste 10 minutes, ouais. Oh, j'ai un truc intéressant, ça. Ouais, Storycube, c'est très très cool. Alors, tu vois, alors là, ce qui est trop bien, c'est que j'ai sorti la boîte et j'ai direct compris le principe. Bah ouais. Ça, c'est bien joué. Et j'ai direct compris le principe. Ça, c'est pareil. Je savais que ça ferait des bonnes émissions chez nous. Ça, c'est pas mal. Storycube, tu jettes des dés, ça te donne des formes, tu dois inventer une histoire. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est aussi simple que ça. Ça s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. Voilà, il a gagné 20 prix. Voilà. Donc, c'est plutôt... Puis voilà, les règles sont là. Hein. C'est écrit en haut de la boîte. Lancer les dés, raconter une histoire. C'est écrit en haut là. Donc tu peux pas faire plus simple que ça. La boîte est très jolie. Ça me fait penser à la boîte de. C'est exactement le même genre de boîte. Tu sais, c'est aimanté. Ça me fait penser aux boîtes des trucs avec les chats là. Exploding Kitten. Ouais, c'est ça. Alors, on a 9 dés dedans. Alors, faut savoir qu'il y a des extensions évidemment qui sont disponibles. Et évidemment, chaque dé. Des formes différentes sur chacune de ses faces. D'accord. C'est pas mal parce que c'est un jeu de dés. Okay. Ils ont prévu une boîte qui s'aimante, donc qui s'ouvre pas perdre facilement. Des dés, comme un dé. Dans la boîte de rangement, les dés ne sont pas libres. Pardon, les dés ne sont pas libres, donc moins de chances de les perdre. Alors, intéressant. On va tester par exemple. Donc il n'y a pas de règle du jeu. Ah si, il y a un tout petit truc. Alors mais... disons qu'on en jette que 4 par exemple, parce que j'ai pas suivi les règles. Ouais. Parce que si on en jette autant. Il y a quand même un tout petit paragraphe de règles. C'est juste pour réexpliquer que ce soit clair. Ok, donc là par exemple, si je dois raconter une histoire avec ça, alors là vous voyez pas trop ce qu'on a. Mais en gros, on a eu. C'est quoi ça ? Un mail ? Ouais, une carte postale, je sais pas trop. Carte postale, mail. Après, tu t'imagines ce que tu veux. Une fleur, un immeuble et une bulle de dialogue. Bah, j'ai la chef. C'est compliqué. C'est pas facile, mais je pense, une fois que t'es lancé, toi, je pense que le plus dur, c'est les 2-3 premiers passages où tu comprends pas trop le principe, tu as du mal à faire les liens entre les dés, etc. Une fois que tu commences à avoir l'habitude, tu peux te lâcher. Et tu vois, j'imagine une émission très simple où tu vas simplement, au départ, tu vas lancer un dé, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Okay. Plus tu lances de dés, plus c'est dur de faire une. D'accord. Plus c'est dur de faire une histoire. Et à la fin, bah, les gens votent. Vous votez pour celui qui a fait la meilleure histoire. Et voilà, comme ça vous fait participer. Nous, ça nous fait raconter des conneries. Et on est bon, tu vois. Je trouve ça pas mal du tout. Ça s'appelle. Il y a de quoi faire. Story Cubes. T'as une idée de combien ça coûte ? Je vais regarder. Le prix, c'est à chaque fois l'élément. L'élément perturbateur. C'est vrai que j'en sais rien. En même temps, c'est intéressant. Mais ça doit pas coûter très cher. Le design de la boîte est bien fini et c'est le petit jeu propre, tu vois. Enfin, c'est pas. Tu vois, s'ils avaient mis ça dans un sac en toile, peut-être, ça aurait peut-être eu un autre cachet. Moi, j'aime bien. Storycube, ça coûte 10 balles. Ok. Bon, de toute façon, je pense pas que j'aurais ça mis plus. Ça coûte 10 balles. J'aurais pas mis plus pour. C'est vraiment pas très cher. Ouais. Allez, la suite, Zoulou. La suite, c'est donc le dernier jeu de cette matinale. Putain, bah, on en a présenté pas mal, mais qu'on a fait 2 heures d'opening. Oh, nice! Et alors, c'est... ça, pour le coup, c'est une nouveauté. Ch'toulou. Ça, c'est une nouveauté. Ça sort maintenant, là, tout de suite, en ce moment. Je ne sais plus exactement la date, mais en gros, c'est un jeu du mois de septembre. D'accord. Et le principe
de ce jeu, eh bien, c'est que je sais pas si vous connaissez Pandémie. En fait, j'avais déjà fait une partie de Pandémie dans un précédent Big Fun. Le principe de Pandémie, c'est un jeu qui a cartonné partout dans le monde. Et le principe de Pandémie, c'est que, vas-y, ouvre-le. Vous avez la carte du monde. Vous avez tout un tas de villes qui sont précisées sur la carte du monde. Et vous jouez tous ensemble contre la maladie. C'est-à-dire que des maladies vont se répandre sur le monde et vous, avec vos amis, vous devez contenir ces maladies, les empêcher de se répandre et même les éradiquer de manière à sauver le monde. Voilà, Pandémie, c'est ça le pitch de base. Et c'est un jeu qui cartonne. Bah, on va pas jouer. Non, tu m'as cassé les couilles. Vas-y, ouvre-le. Oui, bah, je fais ce que je peux. Voilà, déchire, voilà. Voilà, bon. Ingénieux Zoulou, ingénieux, tu prends sur les liens. C'est terrible. Enfin, sur les liens. Et donc ça, c'est une version alternative. C'est Pandémie, ou Pandémique, en anglais. D'accord. Mais Pandémique version Le Règne de Cthulhu. Voilà. Donc ça, c'est plutôt classe. C'est un jeu qui a été fait par Chuck Yeager sur le modèle de Pandémie de Matt Leacock, hein, qui avait fait le jeu de base. Alors, si vous connaissez pas Cthulhu, Cthulhu, c'est de la littérature. Hein, voilà, c'est un monde de fantasy où vous avez des monstres dégueulasses qui vous éclatent la gueule, hein, constamment. Alors, notamment Cthulhu, qui lui-même est une espèce de boss final. Du bouquin, c'est une espèce de pieuvre géante. Intéressant ce livre de règles. Ouais. Pourquoi ? J'ai l'impression qu'on a un passage d'histoire au tout début. On a les règles, tout simplement le plateau de jeu qui est expliqué. Et ensuite, voilà, les règles du jeu, et c'est écrit assez gros. C'est illustré, c'est dégagé, c'est pas mal. Le plateau de jeu est magnifique. Ouais. Alors là, ouais. Alors là, vous m'avez conquis, les mecs. Je vous ai dit tout à l'heure, Pokémon, j'étais pas fan, mais quand c'est bien, je le dis aussi. Et là, le plateau de jeu est magnifique. Regardez. Attends, j'essaie de vous le tenir droit, je suis désolé, c'est pas facile comme ça debout. On voit en fait différentes zones de la ville, je pense, avec Kingsport, Dunwich, Arkham et Innsmouth. Vous allez devoir, j'imagine, contenir non pas les maladies, mais les démons. Ou un truc du genre sur cette zone de jeu. On voit en haut qu'il y a une zone pour poser des cartes. Voilà. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Encore une fois, je vous rappelle, je n'ai pas encore joué au jeu. C'est un opening. On le découvre avec vous. Mais en tout cas, c'est plutôt joli. Le plateau de jeu est superbe. Ça me donne carrément envie de jouer. Ok. Ça. Alors moi, faut savoir que mes jeux de société préférés, c'est ni des jeux de cartes. C'est ni les jeux d'ambiance comme on fait souvent l'après-midi sur Eclipsia. Moi, c'est ça, mes jeux préférés. C'est les jeux où j'ai un plateau qui est magnifique. Des belles cartes, des belles pièces, des belles figurines. Moi, j'ai besoin que le jeu soit beau. Je pense que tu vas pas être déçu. Hein. C'est ça qui me fait kiffer. Et celui-là, il est vraiment magnifique. C'est dans la même veine que les jeux comme Abyss. Abyss, pareil, un jeu que je vous recommande. Oui. Vraiment, il est magnifique. Ils ont fait un vrai effort sur l'habillage du truc. C'est génial. Le qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Max? On a un petit carton avec des jetons. Avec des pions, ouais, en bien carton, sûr. Carton découpable. Ça, on a deux decks de cartes différents. Ça, je pense que c'est les monstres, hein, parce qu'ils ont bien des bonnes gueules de Stremont. Voilà. Alors vas-y, ouvre les monstres. Et je vais ouvrir les cartes des alliés. On va regarder un petit peu à quoi elles ressemblent. Il nous reste combien de temps d'émission, mon cher Raph? 4 minutes. 4 minutes. Ok, c'est fini. Ça va le faire, ça va le faire. Donc ça, ce sont les monstres. Je vais essayer de vous en sortir peut-être plusieurs. Ouais, alors effectivement, c'est les monstres. Ils sont dégueulasses. Ah, il y a une araignée derrière, elle est immonde. Ok. D'accord. Ok, donc j'imagine que tu vas sortir plusieurs monstres et qu'il va falloir les contenir en fonction du monstre que tu vas piocher. Ça va pas avoir le même impact sur le jeu. Derrière, nous, on va sans doute pouvoir jouer des personnages comme dans Pandémie, puisque là, vous voyez, on a différents personnages qui sont disponibles. On a le magicien, on a la chasseresse, on a le docteur, on a l'oculiste, on a le détective, on a le journaliste, le conducteur, pardon, j'arrivais pas à lire. Et là, on va voir les différentes zones. Voilà, Kingsport, etc. 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 Ça a l'air
Encore une fois, hein, les cartes sont magnifiquement illustrées. Donc là, voilà, on a les différentes zones. Donc toutes les cartes jaune, vert, bleu, rouge. Hein, ça, c'est normal. Et après les différentes zones, voilà, on a la fameuse carte. Le mal se répand, donc c'est exactement la même chose que Pandémie. Dans Pandémie, on a cette carte verte dégueulasse qui te met dans la merde à chaque fois que tu la pioches, t'es en mode « Oh mon Dieu, non, je tombe dessus, on n'est pas bien !» Voilà. Et plus t'en pioches, plus t'es dans la merde. Eh bien, c'est exactement ça. Tu dois combattre la folie. Un Shoggoth apparaît. Donc, les démons, en fait, s'appellent des Shoggoths. D'accord. Et les cultistes se regroupent. Donc, les cultistes, je suppose que c'est d'ailleurs mélangé à des fausses invocations et placé là sur le dessus du paquet d'invocations. Et regarde ce qu'on a là, Max. On a. Et on a des figurines. Figurines. Alors, on a non seulement des figurines. Regardez ces cartes que je vais vous montrer. Ah. Voilà. Ça, c'est stylé. Ah, c'est joli. Ça, c'est une belle mise en page. Voilà. Ça, c'est joli. Donc, non seulement on a des figurines, donc par exemple des personnages ici. Ah, mise au point. Voilà. Voilà, mais on a aussi des figurines. Attends, bouge pas. De monstres, tout simplement. Et aussi, et ça, franchement, j'apprécie, on a un dé qui est particulier. C'est-à-dire, c'est pas un dé à 6 faces classique, c'est un dé à 6 faces. Un petit peu différente de d'habitude. Fais la mise au point sur mes cartes. T'es déçu ? Attends, regarde. Hop. Voilà. De rien. Voilà, merci. Merci à toi, Max. Et en fait, c'est super beau. Enfin, en fait. Ouais, il est un peu transparent. C'est pas un dé blanc avec des points noirs comme d'habitude. Bon, déjà, il y a des formes particulières. Mais en plus, on a ce côté pierre précieuse, grotte, abysse, etc. Et c'est cool. Ça renforce le côté. L'imaginaire du jeu, et comme tu l'as dit, toi t'aimes bien les jeux où t'as vraiment un imaginaire qui est défini, c'est beau, c'est classe, c'est pas mal, c'est vraiment un petit plus quoi. C'est ultra stylé. Est-ce que c'est bien? Je sais pas, mais en tout cas c'est beau. On risque d'essayer. Hâte de tester ça. Voilà, c'était notre dernier jeu. Pandémie. Exactement. Le règne de Cthulhu, c'est pas Pandémie Cthulhu, ouais. C'est Pandémie le règne de Cthulhu, qui est un jeu Philosophia et qui est distribué également par Asmodée. Merci Asmodée pour tous ces jeux que vous nous envoyez. On va évidemment essayer nous d'en présenter plus en détail un maximum. En général, je vous les présente pas tous. Moi, ce que je fais, c'est que je les regarde, je les teste, j'y joue. Et une fois que j'ai joué, j'essaie d'imaginer, ok, qu'est-ce que je peux en faire en live, stream. En émission, en stream. Et quand je trouve un jeu qui fonctionne en stream, dès que je peux, je vous l'amène. J'essaie de faire jouer mes collègues et j'essaie de vous donner envie et de vous faire découvrir qu'il y a autre chose. D'ailleurs, que ce Monopoly. Soir, en LPE, je crois qu'on va parler un petit peu jeux de société aussi. Ce soir en LPE, on va parler jeux de société puisqu'on reçoit Croc. Tu connais Croc ? Oui, en LPE. Ça, là, c'est après. Tu sais, il est en mode. Non! Là, tu es au fil, le bon acteur! Non! Mais tu sais vraiment qui c'est ou pas? C'est vrai? Eh ben. Ah, ok. Eh ben, okay. Tu sais bien, tu lui feras un câlin. Voilà. Ah, voilà. Merci, merci. Alors, c'est con, cool, ce qu'on t'entend pas, Théo, mais. Merci, promotion. Excellent, bah c'est prévu. Le patron est heureux. Le patron est heureux. Voilà. Non, mais ça, c'est vraiment cool. Alors, terminons cette émission. Si tu veux bien, mon cher Zoulou, un petit débrief. D'accord. On a quoi ? On a Small World, on a Concept, on a Game of Thrones, on a Le Seigneur des Anneaux, on a Star Wars, Cube on Story. A eu Pokémon, Cube Stories, Android Mainframe, Le Règne de Cthulhu, incroyable, c'est Noël. Ouais. Alors pour moi c'est Noël, parce que j'adore les jeux de société évidemment. Et du coup, je sais qu'au début, quand j'ai voulu amener ça un petit peu sur Eclipsia, peut peut-être refaire tout. Ils étaient un petit peu effrayés, les collègues. Ouais. Mais je regrette vraiment pas de m'être fait chier à envoyer 60 mails jusqu'à pouvoir recevoir tout ça, parce que je suis vraiment content de pouvoir vous présenter des nouveautés, des trucs que vous connaissez pas, et ça c'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce qui t'a fait le plus envie dans tous les jeux qu'on a vu? Moi je vais rester raccord avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les jeux un petit peu plus faciles, même si Cthulhu m'a fait forte impression. Cthulhu, ça se prononce pas okay. Cthulhu. Cthulhu, pardon. Cthulhu. M'a fait forte impression. Moi je suis plus friand de petits jeux d'apéro, de petits jeux faciles. Ouais. Mais je suis prêt à essayer par exemple. T'es prêt à découvrir? Honnêtement, ce qui m'a fait le plus. Au premier abord, c'est Story Cube qui m'a le plus intrigué. Le côté c'est simple, voilà. Efficace. Après, c'est un petit jeu que tu fais quelques fois, etc. en apéro. Je pense que Concept. Je pense que c'est sur Concept que je vais m'amuser le plus,
Après, je demande qu'à découvrir et je demande qu'à être converti, par exemple, au jeu peut-être un petit peu plus complexe, comme peut l'être, par exemple, Cthulhu. Enfin, parce que, par exemple, ici, on est sur des parties de 40 minutes. Ça va. Je pensais que c'était un petit peu plus long que ça. Compte une heure à peu près. Donc, à voir. Donc, on a eu Cthulhu, on a eu Game of Thrones, l'intrigue, à découvrir. On ne connaît pas encore. Ça a l'air très simple aussi. Je suis vraiment intrigué parce qu'il y a des cartes. On n'a pas eu le temps de lire la règle, etc. En fait, j'ai vu les cartes, j'étais en mode, mais il nous manque un truc, c'est beaucoup trop simple, c'est pas possible. On a Small World, alors je suis intrigué. Bah, en vrai, il y en a quand même pas mal. Tu vois, il y en a pas mal qui sont intéressants. Je suis moins hypé quand même par les. Merde, les jeux de cartes, genre Star Wars et tout. Ouais, genre Star Wars, bon, Pokémon, je connais. Mm-hmm. Et je suis plus intrigué par ça, en fait. C'est un univers particulier que je ne connais pas. Donc. Ouais. Que j'ai hâte de découvrir. C'est des règles et peut-être un style de jeu que je ne connais pas non plus. Donc, Raph, donc à voir. Lequel tu retiens, auquel tu as envie de jouer? Parce que toi, je sais que tu as bien les jeux de société aussi. Android, Mainframe. J'ai mélangé Android et Mainframe, ça fait Metroid. Tiens, incroyable. C'est vrai qu'Android Mainframe a l'air plutôt sympa, avec du matériel qu'on n'a plus trop l'habitude de voir, tu sais, les trucs en plastique et tout, en général, ils sortent ça pour les enfants. Ouais. Là, c'est pas trop le cas, donc c'est plutôt sympa. Voilà, moi j'ai. Oula, là, t'es en train de faire une pyramide, frère, ça va se casser la gueule. Mais non, c'est bon. Ok, mec. Bon, bien joué. Mec, je suis un bon portugais. Non, mec, tu pourras pas tout mettre. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de cette matinale. J'espère que vous avez kiffé. On va donner la parole dans quelques instants. Merci à toi, Max, ça a été un plaisir de partager cette émission avec toi. Je t'aime bien. Dans un instant, vous allez retrouver l'Eclipsia Challenge avec Kenny et Xari. Et voilà, c'était super cool de vous présenter ces jeux. J'espère que ça vous a plu. Faites-nous vos retours sur les réseaux sociaux et à tout de suite. Ciao.